C'est qui l'a gagné? Fondou l'a gagné. Cette coiffure. Arrête. Bon, regarde, mon idée, elle se précise vraiment. Du coup, j'ai changé l'idée du sample. Je l'ai fait avec tes voix. On écoute. C'est top. T'aimes bien? Ouais. Après, y a pas trop de choses? Non, juste là. Y a du mix un peu à voir. Je trouve que c'est trop violent, l'arrêt. Peut-être qu'il faut juste faire... Et partir, tu vois. Peut-être. Non, t'aimais bien comme ça? Je sais pas. Si sûr, c'est que là, je trouve qu'il y a un gimmick. Ouais, le sample est trop bien, j'adore. Après, il y a aussi moyen de le faire arriver derrière là. Mais bon, il y a moins la surprise quand il arrive. Par contre, on peut faire... Et puis partir. J'adore. Là, c'est trop bien. J'aime bien le... C'est très Chainsmoker. C'est voilà. Bien. C'est stylé. Voilà. Putain, j'ai des trucs partout. Puis je pousse. Voilà. À la fin, je continuais à faire des trucs, quoi. Ça va pas être le bordel? Non. Là, tu trouves que c'est le bordel? Non, d'un point de vue structurel... Je sais pas. Je sais pas si faudrait pas que Chase the Stars. Nanana. Et après tu remets ton papa. Ah, j'ai pas compris le nanana. Fly us to places we never saw. Ah oui, d'accord, ok. Du coup, ça peut être trop stylé de faire Chase the Stars again. Tu racontes? C'est la Saint-Valentin. Oui. T'as fini? Bah là, ouais, là. Je pense que j'ai fini. D'accord. On va écouter Fall Back Down. C'est bien. Ouais. Attends, je te laisse. Il y a un truc bizarre là. D'un point de vue sonorité, juste qu'on s'en reprend. J'entends un truc aussi. Hier, Louis a terminé Fall Back Down. Il reste quelques bidouilles de mix, c'est ça? Oui. Et en parlant, on s'est dit que ça matcherait vachement bien de faire un truc avec les Chainsmokers. Bon, ça reste un truc énorme, mais on se dit qu'en termes d'univers, ça pourrait marcher. Et vu qu'on a pas mal d'abonnés sur Nitonor, on s'est dit que ça coûte rien de faire une petite vidéo en disant aux gens qui nous suivent de les identifier en commentaire. Donc, c'est pas dit qu'ils l'aperçoivent, mais ça peut quand même faire un bon paquet de commentaires d'un coup et de les identifier sous notre vidéo. Du coup, peut-être qu'ils peuvent l'entendre, ça serait déjà une première étape, et peut-être qu'ils peuvent être intéressés. Donc, on verra. On sait jamais. Qui ne tente rien. Voilà. On n'a jamais eu de message des Chainsmokers, ça serait... Non, mais non, ils avaient une fois dans leur playlist virus, je crois, sur SoundCloud. On verra. Au pire, ça fait une publication sur les réseaux. Donc ça part direct, ça? Ça fait. Fly us to places. Ok, t'es prêt? Oui. C'est bien? Ouais. C'est bien. Nickel. Et est-ce qu'on n'est pas bien? On est bien. La petite vidéo est prête. Je vais partager ça sur les réseaux, je pense, vers 17-18h. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, on compte sur vous pour aller taguer les Chainsmokers en commentaire. Ça donne un truc comme ça. Voilà, on compte sur vous pour aller les taguer en masse. C'est parti pour enregistrer Murder on the Dance Floor de Sophie Ellis Bextor. Ça fait des années que je tanne Louis pour faire cette chanson. Maintenant, il a fini la prod, donc c'est à moi de jouer. J'espère que je serai à la hauteur. About you,
Le loup, il joue les DJ, mais des instrus à toc Jean Floc. About your kind. Faut moins que je les coupe. Mieux, je pense. If I think you're getting away, I will prove you wrong. I'll take you all the way, boy, just come along. Hear me when I say, hey, it's mud on the dance floor. But you'd better not kill the groove. And so. You'll just have to. Je suis surprise à chaque fois par où il arrive le you'll just have to. And so. You'll just have to. Il était bien calé, mais on aurait dit genre j'ai fait une Nickelback quoi. Vraiment la tronçonneuse qui démarre. Et il est parfait, il a saturé de ouf, mais il était parfait. On va refaire du coup. You'll just have to. C'est un peu chiant parce que j'aimais bien celui qui a saturé. You'll just have to. Peut-être pas mal lui. Ouais, il est bien, il est fun. On aime bien. I'll blow you all the way. Comment elle le fait? Oh, il me casse les yep. I'll blow you all the way. C'est pas compliqué quand même. Each day another song. I'll blow you all the way. Hey. Mieux. But you better not steal the moves. DJ, gonna burn this goddamn house right now. Ok, je pense que pour la lead on est pas mal. Après Louis il a dit de mettre plein d'adlib et tout. Du coup faut que je trouve des adlibs. Peut-être quelques bacs, potentiellement. I will prove you wrong. Boy, just come along. Hey. Boy, just come along. On the dance floor. On the dance floor. Oh, juste, ça serait mieux. On the dance floor. And so. DJ, gonna turn this house around somehow. Gotta burn. DJ, gonna turn this house around somehow. Ok, ça c'est cool, j'aime bien. Et maintenant, on est sur la partie adlib. C'est parti pour chercher des adlib à fond. Bon, il y a plein de trucs, hein. Il y a plein de trucs qui vont être rigolos. On va voir ce que ça donne tout ça. En doutant les adlib pour l'instant, parce que bon, ça va 2 secondes les bêtises. Hop. Clac, clac, clac. Oh no. About your kind. Je vais vous montrer comment je fais mon autotune efficacement. Là, c'est toutes les notes du clavier. J'enlève toutes les notes. Et je vais vous laisser le son pour que vous entendiez ce que ça fait quand même. Parce que sinon, si je mets play, normalement ça défile très très vite. Du coup, c'est dur de suivre. C'est pour ça que je fais comme ça moi. La question c'est, est-ce que je m'engage là-dedans tout de suite? Pékin Express commence dans une demi-heure. J'ai le temps d'avancer un peu. Je vais faire ça. Pourquoi tu vibres non-stop? Est-ce que les gens ont commencé à identifier Chainsmokers? On dirait bien vu que ça vibre de partout. About your kind. Je vais vous couper ça parce que c'est pas très intéressant, mais je vais commencer à 20h30. Voilà. Il est 21h, je dois arrêter parce que je dois aller faire à manger. Mais j'ai bien avancé. J'ai fait tous les choix des couplets. Il me reste plus que ces 2 blocs-là à faire. En vrai, là j'ai fait une demi-heure. Pour ça, je pense que j'en ai pour 15 minutes. Mais je ferai peut-être tout à l'heure. Puis dans tous les cas, je finirai demain parce que j'ai tous mes choix d'adlib à faire. Mais je suis contente du résultat, je pense que ça va être cool. Ça va être très bien, je pense. Le chat persan. Oui, le chat persan. S'ennuie de temps en temps. Le petit chat persan s'ennuie de temps en temps.
J'étais pas fait exprès. À la base, je voulais juste me filmer, mais t'étais trop rigolo avec ton petit chat persan qui s'ennuie de temps en temps. Mais c'est à chaque fois quand je fais du rangement ou de la bricole. Oui. C'est pas possible. J'avais vraiment envie de commencer ma journée de demain en écoutant le résultat de mon travail d'aujourd'hui, mais du coup, ça impliquait de terminer tous les mélodies aujourd'hui, c'est-à-dire la lead, les quatre chœurs, les deux pistes d'adlib. J'ai fini. Il est 2h40. Ça fait, je pense, 2 heures que j'ai mes yeux qui commencent à bugger parce qu'ils doivent être secs. Du coup, je vais dormir et j'écouterai tout ça demain. Je pense que ça va être bien. J'ai hâte de la sortir. Nous sommes en route pour le Novo Max à Quimper pour le concours régional de clips pour lequel on a été sélectionné avec Il pleut. Du coup, on va à la diffusion des 15 clips sélectionnés parmi les 114, si je me souviens bien. Je crois qu'il y a plusieurs prix. Il doit y avoir un prix du jury, un prix du public et d'autres prix. Est-ce qu'on aura un prix ? Aucune idée. Mais en tout cas, c'est trop cool parce que notre clip va être vu par plein de gens. La salle est pleine. C'était sur Reza, la salle est pleine. Et le clip va être vu par plein de gens, dont des pros, donc c'est trop cool. Et Antoine, quand on est là-bas, Stéphane, il n'est pas là parce qu'il n'est pas en Bretagne en ce moment. Trois quarts de la team. Voilà. Désolé si le son est dégueu parce que j'ai enlevé le micro parce que sinon ça rentrait pas dans mon sac. Je vais couper parce qu'il n'y a plus de batterie. Ah. Dans tous les cas, nous on aime bien faire ça, tu te rappelles, ça fait. Bah, ça garde une trace, mine de rien. Ah bah oui, on se rappelle même. C'est rigolo. Le prix du jury. Incroyable. C'est le retour des vlogueurs en carton. On n'a plus de batterie. Les pires vlogueurs. On n'a pas gagné le prix du meilleur non. Vlogueur. On fait la suite du coup. Là, on remet ce qui se passe dans la voiture et on fait la transition. On a gagné. Voilà. Incroyable. Incroyable, mais vrai. Nous avons gagné le kiff. Le prix du jury. Ouais. Le prix de kiff. Voilà. C'est fou, hein. C'est fou. On s'y attendait trop. On s'y attendait tellement pas. Franchement, les clips, ils étaient tous ouf. Vraiment. Tout était absolument trop stylé. En fait, tout était ultra bien réalisé, ultra bien écrit. À chaque fois que je voyais les clips, je me disais, wow, ils ont dû passer un temps fou là-dessus. On avait tous les deux coups de cœur. Un en commun, c'était Train Fantôme. Oui, c'était ouf. Trop bien. Incroyable. On peut pas vous mettre un extrait parce que sinon on va se faire strike la vidéo. Mais allez écouter Train Fantôme. Ouais, si vous aimez Incubus, Deftones. Non, c'est la musique qui s'appelle Train Fantôme. Non, c'est le groupe. Sûr ? Ouais. Non ? Si. Non, je suis sûr, arrête. Okay. En vrai, c'est hyper encourageant de gagner ce prix-là. Ça valorise vachement tout le travail qu'on fait tous depuis des années. Et Antoine, il était trop mignon, tout ému. Oui. Mais pareil, il s'y attendait trop pas, donc il était trop content. Parce qu'en vidéo, on n'avait jamais eu, tu vois. Oui. Tu vois, en musique, on a déjà eu des prix, des machins et tout ça. Mais sur nos clips, on n'avait jamais eu de reconnaissance, on va dire, professionnelle. Non, et de prix. Pas sur les clips qu'on a réalisés nous-mêmes. Ouais, c'est ça. Non. Et là, ça donne envie de faire encore plein de clips avec toujours la même team avec qui ça marche trop, avec Stéphane et Antoine. Et on va en faire plein. Dans le prochain, c'est avec eux. Oui. Ajoute un truc à ce que j'ai dit. Et qu'est-ce que tu veux que je rajoute ? Moi, je sais pas, je pense que t'as envie d'ajouter. Non. Si. Juste, on est content. Mais oui. Et on va regarder Danse avec les Restas. Avec des patarabiata. Avec des patarabiata pour fêter ça. T'as voté ? De quoi tu parles ? T'as voté pour toi aussi. Bah oui. On n'a pas gagné le prix du public, donc dans tous les cas, ça va rien. On a gagné le prix du public, donc ça va rien changer. On a gagné. On a. Ah oh, oui. Et on sera jury. Voilà. L'année prochaine. C'est incroyable. Regardez-moi ce sacrilège. De quoi ? Anti-italien. Mais non, je pense. C'est juste que ça cuit du coup homogène. Ça cuit homogène. Bah oui, tu casses pas les pattes. Il y a une partie plus que l'autre. Je suis en train de travailler sur Your Body is Mine. Je crois que Lorraine en avait déjà parlé. Oui. L'autre jour, voilà. Et Lorraine est en train de travailler sur le script. Je suis en train de tout détailler plan par plan. Oh, c'est flou. Je suis en train de détailler plan par plan le clip de Le Mauvais Choix pour tourner. Voilà. Et donc moi, je suis en train de bosser sur Your Body is Mine. J'ai reçu les 4 phrases de Lorraine. Et donc l'idée sur ce morceau, c'est d'avoir une voix très compressée, hyper en avant. Le niveau de la voix, il va être au même niveau partout. Et l'idée, c'est que la voix soit très forte dans le mix et tout le temps au même niveau. Et donc pour faire ça, il faut que je clean la voix à fond avant de faire les traitements, que j'enlève de façon extrême tous les S, les T, tous les K,
tous les trucs. C'est souvent ces fréquences-là qui vont ressortir le plus quand on va justement compresser la voix. Il n'y a pas un bug dans le jazz ? Oui, il y a un espèce de pouc dedans. Je fais une fixette ? Lorraine m'a montré donc un petit outil sur Melodyne que je ne connaissais pas, qui nous a normalement permis de rectifier le petit poc. Mmh. Ça ne marche pas, ça ne marche pas, on entend toujours le petit poc. Donc du coup, on est en train de récupérer des prises de Lorraine différentes. On va essayer de trouver un just où il n'y a pas le petit poc dedans. Sinon tout le reste, ça marche, ça qui casse-pied. Nous avons enfin réussi. Just let it go. Bah là c'est bien je pense. Après le truc c'est que là c'est a cappella donc on a l'impression que c'est vraiment trop compressé, qu'il y a trop d'effets quoi. Mais une fois dans le mix je suis sûr que ça va rendre bien. Et maintenant il faut que je refasse le sample et que j'avais déjà fait mais du coup je l'avais fait avec les vieilles voix de Lorraine, il faut que je le refasse avec les nouvelles voix qu'on vient de faire. Donc c'est parti. Donc c'est tune the machine, tune the machine. 10 résultats, ça filme. Ah, résultat. Allez, tiens au moins la caméra. Ah, ça tombe. Donc résultat du tune de machine, tune de machine. Il rend bien, tu vas voir. Just let it go. Your body is mine. Alors, qu'est-ce que tu penses du tune de machine ? C'est top. Donc ça te plaît ? Oui, ça me plaît beaucoup. Donc après, il faut que je fasse tous les exports demain, sûr. Oui. Parce qu'il faut qu'on envoie à Gabri Ponté. Oui. Voilà. Ok, t'es prêt ? Oui. Et tu sais ce que tu chantes ? Oui. Je vois. You make me blind, talk to me, I don't mind. Pour ça, I can see what we could find. Yeah. You make me blind, talk to me, I don't mind. C'était bien ? C'est bon. Non. C'est reparti pour un tour. Oh darling. Lost in your eyes, chasing my dream. Feeling the time freezing round. And now I'm okay. C'est bon? Bah si tu veux. Raconte. Donc la bonne nouvelle du matin, c'est que on a un ami avec qui on a déjà bossé, on a sorti plusieurs morceaux avec lui d'ailleurs, qui travaille en ce moment avec les Chainsmokers et qui nous a dit qu'il pouvait leur faire écouter parce qu'il trouvait que le son était mortel. Donc déjà, si ça arrive aux oreilles des Chainsmokers, c'est trop bien, trop cool. Donc voilà, affaire à suivre. On croise les doigts.